Amis Scorpion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cartomancie Gisèle. Donc, je vais effectuer le tirage pour toute la semaine du 14 décembre 2020 pour vous Scorpion. Donc, je commence tout de suite, j'explique. Avec les cartes, je tire, je bats les cartes pendant un certain temps, le temps que des cartes tombent. Des fois c'est une, des fois c'est deux, des fois c'est trois. Donc c'est avec les portes de l'intuition, je tire les énergies principales de la semaine, de toute la semaine pour vous, amis Scorpions. Ensuite, je passe au domaine professionnel et financier avec le tarot de la magie verte. Et là, toutes ces cartes-là représentent le sentimental pour vous, amis scorpions, pour cette semaine du 14 décembre 2020. Donc, nous allons commencer tout de suite. Je voulais vous demander d'abord de vous abonner, de liker et de commenter si la vidéo vous a plu. Et surtout de partager. Un grand merci d'avance. Donc, les énergies de la semaine pour vous sont, alors, vous avez la carte de la réponse et la carte de la disponibilité. Celle-ci nous dit que vous avez la réponse en vous. Elle dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. S'il y a un sujet qui vous enquiquine un petit peu, eh bien, vous avez déjà la réponse. Et l'autre vous dit la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Donc, vous êtes en plein changement et vous le savez déjà. Pour vous, amis Scorpion, je vais les mettre là. Je les reprendrai tout à l'heure. Donc, concernant le professionnel, il y a des nouvelles qui arrivent. Je recule mes cartes parce que j'ai mis un petit set qui ne glisse pas du tout. Alors, l'amoureux, le pape, la réalisation d'un projet et on vous dit de faire encore un petit effort. Alors, des nouvelles vont arriver concernant. Ben là, vous avez l'amoureux qui représente le choix et vous avez le pape qui, lui, nous annonce des contrats. Mais ici, dans ce domaine-ci professionnel, on vous annoncera une très bonne entente concernant un projet qui aura une très bonne réalisation. Mais on vous demande de faire encore un petit effort pour retrouver la tranquillité d'esprit. Ce que je peux faire, c'est encore essayer d'en savoir un peu plus pour vous, amis Scorpion, concernant la semaine du 14 décembre 2020, domaine professionnel. Si tout va bien, si les nouvelles arrivent et que il y a une très bonne entente niveau professionnel concernant un projet. Pourquoi la carte de faire encore un petit effort? Alors, il n'y a rien qui tombe tout de suite là. Pour mes amis scorpions qui regardent ma chaîne. Très bien, je vais faire. Vous voyez le temps que ça met pour faire un tirage par signe. Donc, je vais examiner la coupe. Voilà, c'est un nouveau projet professionnel. Et là, on vous dit que vous êtes encore dans l'imaginaire. Donc, voilà pourquoi on vous dit de patienter. Mais les nouvelles arrivent concernant l'entente sera très bonne pour la réalisation d'un projet. Mais arrêtez d'être dans l'imaginaire hein, un petit peu et dans l'émotionnel. Il faut passer à l'action là. Ami scorpion, oui, c'est bien le scorpion. Donc, niveau sentimental, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées.
Ok, je vais les retourner. Donc, nous avons la carte de l'amitié au travail. Donc, ça vient un petit peu collaborer la carte de la bonne entente pour un projet professionnel. Là, vous avez la tranquillité, vous avez la solution, ou alors, vous avez la solution. Et vous allez y voir clair, ou à moins que vous ayez des petits dons de voyance, des petits flashs qui vont arriver, ou des petits rêves prémonitoires. Donc, je récapitule pour vous, amis scorpions. On vous dit que vous avez la réponse en vous pour cette semaine du 14 décembre 2020. On vous dit de vous rendre disponible au changement. Ici, on vient vous annoncer au grand galop qu'il va y avoir une réalisation, là, qu'il va y avoir la réalisation d'un projet dans lequel il y aura une très bonne entente. Et ensuite, on vous dit de patienter, mais il y avait à la coupe que vous étiez encore un petit peu dans le fantasme et dans l'imaginaire. Enfin, je veux dire, vous rêvez encore un petit peu. Et là, vous avez quand même la carte de la clairvoyance. Faut arrêter, faut y voir clair, il faut arrêter d'analyser et il faut se lancer là. Donc ensuite, en amour, on vous dit, on vous parle d'amitié sur le travail et on revient ici au plan financier, la bonne entente. Donc très bonne entente encore là. Apparemment, le sentimental, on m'en parle pas beaucoup, à moins que votre chérie où votre chérie se trouve sur votre lieu de travail. Donc, tranquillité, ouverture d'esprit. Puisque vous avez la porte, elle est entrouverte et vous avez directement la clairvoyance. Donc, ouverture d'esprit. Et là, on vous dit arrêtez de. Enfin, faites encore un petit effort, mais arrêtez d'être dans le fantasme et passez à l'action. Ami Scorpion. Voilà, j'ai récapitulé le tirage. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si vous avez aimé, je vous demanderai de mettre un petit pouce, un petit commentaire si ça vous parle, de partager et surtout de vous abonner. Et je vous dis d'avance merci et une très belle semaine à vous, amis scorpions. Au revoir.